Bonjour à tous. Allons jouer à Harry Potter. Voilà, alors on commence la quête là. Stupéfix! Stupéfix! Quoi, c'est tout? Bombarde! Melioso! Professeur Hecate! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, Monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Levioso! Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas. Bien! Bravo! C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duelistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Levioso. Chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Je sais. C'est juste que j'apprends vite. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, professeur Hecate. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien,
Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo! Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Clandestin ? Je ne sais pas. Les règles existent pour une bonne raison. Oui, pour cacher des choses aux élèves. Des tas de choses qu'ils ne nous pensent pas prêts à savoir. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Je n'aime pas trop les duels. Je préfère les solutions plus pacifiques. Rébellion. En route pour de nouvelles aventures ? Revelio.
Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi la nouvelle élève. Tu as déjà rencontré le professeur Ronan ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonai. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. On va aller dehors. Ah, j'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Axio! Voyez cela comme... Voilà! Très bien! Ne vous déconcentrez pas. Excellent contrôle.
Très bien, des points pour Gryffondor. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaille, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure, Mademoiselle Onaille, vous serez rouge, compris? Compris. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Voilà comment on fait. Surtout, ne baisse pas les bras. Bravo à vous deux. Bon travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée.
J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. J'ai oublié de charger mon PC. On va demander ça. Ouagadou est un château, comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. Incroyable, les sorts sont sur moi. Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr. Révélation. Utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était Axio ceci, Axio cela. Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux, en fait. Je peux vous parler un instant ? Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Missonaille est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement l'occasion d'apprendre de vos erreurs. Merci, professeur. Le duel n'a pas été facile. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Bonjour, c'est bien toi qui viens d'arriver ? Revelio. Bonjour, tu voulais me parler ? Samantha Dale, j'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan. Rébellion. Levioso.
Revelio. Rejoint les gobelins dans leur révolte. Lors de la révolte des gobelins ? Où est-il ? Et finalement, c'est Albert Boot qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Je veux encourager le garçon qui affirme que. C'est pas un mensonge, Peeves. C'était Albert Boot. Non, c'est faux. C'était Basil Flack. Ouh, allez, débattez. Très osé cette attaque. Le ministre de la magie. Revelio. J'ignore si le directeur est là en ce moment. Nous veillerons. Et pour la salle, professeur ? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort ? Non, il n'y a rien. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire des devoirs supplémentaires, professeur. Vous trouverez le temps, croyez-moi. Vous comprendrez vite que vous avez beaucoup à apprendre. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potions Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Je n'ai jamais entendu parler des créasors, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets.
Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Il y a un Ollivander à Préolard ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés, en particulier son bras droit, Théophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Réveillon. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur ? En effet, et pas des moindres. Le sortilège de réparation, Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûre qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je m'y attelle tout de suite, professeur. Réveillon. C'est bien le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. Les vaisseaux. Lumos. Action. Et voilà. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Fantastique! J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été difficiles.
J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Réparo. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Dans ma famille, on a beaucoup de traditions moldues. J'ai vraiment dépassé les bornes. Est-ce que tout va bien ? Oh, bonjour ! Contente de te revoir. C'est gentil de demander. Et non, malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. Comme tu t'en souviens peut-être, j'essayais de lancer un sortilège informulé lorsque nous nous sommes rencontrés dans la salle commune. Eh bien, j'ai réussi. Maintenant, j'essaye de créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal aux bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. Ça va un peu loin, juste pour éviter de devoir porter tes livres. Peut-être bien, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Il faut bien que quelqu'un invente les nouveaux sortilèges, alors pourquoi pas moi ? Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi ? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ces livres t'appartenaient ? Oh, en fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Action ! Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ses livres. Je l'ai. Plus que 4.
Reveglio. Reveglio. Ce doit être le journal de Cressida. Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais elle. C'était mon château. On prend là. Ça va. Il perturbe. Professeur Chabal. Que s'il n'était pas. Professeur Cressida ou en lui. Envoyé un de ses appels encore. Bazar. Réveillon. Dans l'intérieur, la magie au sein de la bibliothèque. Et c'est pour ça que tu as la. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida.
comprends pas pourquoi tu en fais toute une histoire. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Une récompense s'impose, à moins que tu souhaites que tes camarades apprennent ce que tu penses vraiment d'eux. Oh, je ne t'aurais pas cru capable d'une chose pareille. Je ne te ferai jamais ça, Cressida. J'essaie juste de t'apprendre à faire attention. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Salut, tu me cherchais ? Nati, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Préolard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Préolard digne de ce nom. Go à Préolard. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à l'apprendre. Préolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. Tu n'aimes pas le froid, c'est ça ? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Hein ? Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Forêt interdite. Des hippogriffes. Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Tu crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes ? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux.
Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surprise lorsque le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien les environs, comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça ? Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi ? Tu as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi, ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Monsieur Moon ! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon ? Une demi... aiguise, immonde et poilue et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre monsieur Moon. Une demi-guise ? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement à Préolard. Je serais ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nati. Merci. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois Balais si tu veux acheter une bière au beurre et à Honeduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches à Préolard. Le professeur Weasley t'a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer Monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien, et à tout à l'heure. Je peux avoir un lieu public. Autre point d'attention. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui.
Ce n'est pas trop tôt. Oui, je... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale, voulez-vous ? Non, pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm, ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu ? Peut-être que... Ah ! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant. Dites-vous. Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien, différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. Et comment ? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en crin de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide.
Bienvenue chez Potion Pupin. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Laowang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens après Olar. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Rebellion. Action. Bon, je vais arrêter là pour le moment. Je vais aller manger. Et je vous reprendrai après. Bisous.